Good morgen, allez, Yidane, tu seras aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claudie, Israël Ben Fortune Mazal, Maurice Rabbi Shmuel Ben Shmuel Mazalman. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles et nous étudions Masechet Ta'anit, Perek Bet Mishnah Hey. Masechet Berbi, Bime Rabbi Chalafta, Rabbi Hanada Ben Teradion, Shavar Echad Lifna Teva, Vegama Tabracha Kula, Velon Acharav Amen, Tik'u Akoanim, Tik'u. Mishana et Abraham, avinu behara moria, huyan etchem, vishma bekol tzakatchem, ayomaze, ariu bene aaron ariu. Mishana et avotenu, al yamsuf, huyan etchem, vishma bekol tzakatchem, ayomaze. Ukshabad avazal chachamim amuru, lo hayun o agin ken, ela beshar amizrach, ou behara bait. Mishnah, qui va être un petit peu difficile à comprendre à l'intérieur des mots de la Mishnah, qu'est-ce qu'on veut dire? Peut-être que je vous le fais d'abord un petit peu à l'oral. Tout d'abord, on a appris. Mishnah, Gimel et Dalet, maintenant, on a bien compris comment ça se passe. Le jour de jeûne, on commence dans les jours des 7 jeûnes particuliers, là, où il y a des prières publiques pour la pluie. Eh bien, il y a donc des tefillot spéciales, on se retrouve tous à prier, comme on verra plus tard, sur la voie publique. Et puis, on évoque, donc, à partir de la bracha de Re'e dans la Chazarat Hashatz, lorsque l'officiant reprend la tefila. Eh bien, à partir de Ré, il va commencer à rejeter des phrases. À Goël Israël, il va mentionner le mérite d'Avraham Avinu, et puis ainsi de suite, il va commencer avec rajouter les Ichonot, Shofarot, El Hashem Betzarat Ali, et Sainay El Harim, Mim Amakim Kiraticha Hashem, et ainsi de suite. D'accord, il y en avait comme ça. Rajoute 6 brachot supplémentaires, ça fait au total 7 brachot. Une précision qui n'a pas été dite dans les Mishnayot précédentes, et comme ça, les Mefarshim expliquent à partir d'ici, c'est que, bien évidemment, à chaque fois qu'on finissait une tfila, à chaque fois qu'on finissait une bracha, eh bien, on finissait Goel Israël, sonnait le chauffard. On finissait Zichronot, Zocher Anishkachot, on sonnait du chauffard. Et ainsi de suite, d'accord, Shomea Kol Troua, on sonne du chauffard. À chaque bracha, il fallait sonner du chauffard, ça c'est une évidence. Et ça, même si ça va être écrit maintenant dans notre Mishnah, en tant que chidouche, mais en fait, c'est une évidence admise. Maintenant, bien évidemment, quand on entend le chaler sebour qui finit une bracha, qu'est-ce que vous répondez? Amen. Comme ça, on est l'usage. Il faut savoir que Beth Amigdash, on ne répondait pas Amen, mais on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ved. Le but de notre Mishnah, c'est de nous raconter qu'il y a une histoire où, et une époque où ça manquait de pluie, ils ont organisé des tefilotes, et les gens ont commencé à lorsqu'ils ont fini, d'écouter le chauffard, ou avant ou après, c'est pas assez précis non plus. Oui, non, ils, au lieu de répondre Amen, ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchuto, comme à l'époque du Beth Amikdash. Puis, lorsque Chachamim ont pris cette histoire, ils ont dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, parce que ceux et cet usage-là, c'était que au Beth Amikdash, mais chez nous, on répond Amen. En dehors du Beth Amikdash, on répond Amen quand on entend une bracha. Voilà le principe de la Mishnah. Maintenant, on va faire tout ça dans les mots Bezrat Hashem, et vous allez le voir comment. C'est pas compliqué, mais juste retrouver tout ça dans les mots, c'est presque pas écrit, quoi. Maaseh v'Rabbi Chalifta v'Rabbi Rabbi Chalafta v'Rabbi Hanan ben Teradion. Il y a eu une histoire qui s'est produite avec Rabbi Chalafta et Rabbi Hanan ben Teradion, que Shavar Echad Lifna Teva, qu'il y a eu un qui est passé à la Teva, au pupitre, je sais pas comment on va dire, quelqu'un qui est parti faire la Tfila sur la Bima, il était le Shalach Tibour, et Gamar et Abracha Kula, il a terminé toute la première bracha de Goel Israël. Et donc il a dit, Et quoi? Veloanu acharav amen. Et ils n'ont pas répondu après lui amen, mais plutôt Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ved. Comme ça c'est expliqué dans le Bar Droit. D'accord? Et après, il y avait là-bas le Chazan à Knesset, le Chazan qui était là, qui a dit Tik'u a Kohanim Tekau, sonnez du chauffard le Kohanim. Et après, il a rajouté la phrase Mishanat Avram Avinu Baramoria, Uyanetrem, Vishma Bekol Tzakatrem, Ayomaze. Celui qui a écouté Avram Avinu, qui a exaucé Avram Avinu à Aramoria, il vous exaucera vous aussi en ce grand jour. Mais il ne redisait plus la bracha, puisqu'il a déjà dit auparavant. Et après, il disait Ariou, Bene Aharon, Ariou. Et sonnez encore une fois du chauffard, Bene Aharon, Ariou. Les Kohanim, c'est les enfants d'Aaron. Il y en a qui disent qu'il faut dire Bene Aharon dans tous, ou Kohanim dans tous. Et Ariou, sonnez la Troua. Vous savez bien que quand on fait du chauffard, on a la Tkia et la Troua. Tkia, c'est la longue tout, et la Troua, c'est tout, 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 tout. Donc, une fois, il les invite à sonner le chauffard en disant Tik'u, une fois, il les invite en disant Hariou, et en réalité, il fallait faire les deux. C'est pas assez clair comment c'est assez délicat pour
Après, assez difficile à comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais le Tiferet Israël propose qu'au début il sonnait Tarat, après il sonnait Ratara. Genre, Tkia, Troa, Tkia, et après c'était Troa, Tkia, Troa. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y aura pas de discussion sur ça, sur la manière de sonner le chauffard. Et après, la Michel, le Chaler Tibour, elle a continué. Donc, Am Israël n'a pas répondu Amen, ils ont juste dit Baruch Shem Bonne Mort de l'Amed. Et après, il est passé à la, donc on était maintenant à la deuxième racha. La deuxième racha qu'on avait vue, que celui qui a exaucé nos ancêtres sur la mer Rouge, eh bien, il vous exaucera vous aussi en second jour. Et après, il y avait le même système de nouveau, il le Shaler Chazan qui leur disait Tikou, Tariou, et il ressonnait du chauffard. Ok? Donc en fait, on a pris deux Hidushim pour le moment, dans cet usage original qu'ils ont fait. C'est que, au lieu de conclure la bracha, et après de sonner le chauffard, et après de conclure la bracha, alors au moment de conclure la bracha, ils sonnaient du chauffard, premièrement, et aussi au lieu de répondre Amen, ils répondaient Baruch Shem Kavod Melachot Olamed. Le problème, c'est de répondre Baruch Shem Kavod Melachot Olamed, mais sur sonner le chauffard, tout le monde est d'accord. Sur ça, Urcheba Davar Etzel Chachamim, lorsque le cas s'est présenté à Chachamim, on a raconté aux sages de l'époque qu'ils avaient procédé ainsi dans la ville de Rabbi Khalafta et Rabbi Hanan ben Teradion. Alors Chachamim ont rétorqué, ils ont dit Lo ayu no agim ken ela bechar mizrach ou be'ara bait, c'est faux d'avoir fait ça. Là, c'est un usage très spécifique qu'il y avait, qui était en vigueur lorsqu'ils étaient au Shar Mizrach, littéralement à la porte de l'Est, la porte du Beth Amikdash, à l'Est, donc en l'occurrence vers l'Ezrat Nashim, et au Be'arabait aussi, dans Harabait, sur le mont du Temple, il y avait là-bas une synagogue. Alors là-bas, on avait cet usage de justement répondre pour Shem Kodem Al-Khalavet. Mais en général, chez nous, dans les Gvoulin, aujourd'hui, partout, on répond uniquement à Amen dans son temps, une bracha, sans dire le Jevar de Shem Kodem Al-Khalavet. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.